أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج صلح حدیبیہ کے حوالے سے ذکر شروع کروں گا. Aujourd'hui, j'entamerai les récits sur le traité de Hudaybiyah. Ce traité a été conclu le 6 du mois Dhulqa'da, soit en mars 628. On nomme cette expédition la Ghazwa Hudaybiyah. Allah a révélé toute une sourate, notamment la sourate Al-Fatr, à propos du traité de Hudaybiyah. Cette sourate commence par ces versets du Saint-Coran dans lesquels Allah déclare « Inna fatahana laka fatan mubina, li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taakhira wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratun mustaqima wa yansuraka allahu wa yansuraka allahu En vérité, nous t'avons accordé une victoire manifeste afin qu'Allah puisse te pardonner tes manquements passés et futurs, et afin qu'il puisse compléter sa grâce sur toi et continuer à te guider sur le droit chemin, et afin qu'Allah puisse t'aider d'une aide puissante. Pourquoi nomme-t-on cette expédition la Ghazwa Hudaybiyah? Quelle en est l'historique? Hudaybiyah est le nom d'un puits, d'où le nom de ce lieu. Au début de l'islam, ce puits était utilisé par les voyageurs et les pèlerins. Mais il n'y avait pas d'habitation autour. Hudaybiyah est situé à un lieu soit à 14 km de la Mecque, et la Mecque est située à 402 km de Médine. En somme, la distance entre Médine et Hudaybiyah est de 387 km. Hudaybiyah est à la frontière ouest du Haram, du sanctuaire de la Mecque. Selon certains, la majeure partie de Hudaybiyah se trouve à l'intérieur du Haram et une partie se trouve à l'extérieur. C'est à Hudaybiyah qu'un traité a été conclu entre les musulmans et les Quraychites. Traité connu comme le pacte de Hudaybiyah. Les récits le nomment aussi à la Ghazwa Hudaybiyah. Selon un récit, cette expédition est aussi connue sous le nom de Ghazwa Tehama. En raison de la chaleur terrible et du soleil qui sévissait dans les alentours de la Mecque, ce lieu était connu comme Tehama. Quelle était la raison de cette expédition? Les récits et l'histoire indiquent que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entrepris le voyage de Hudaybiyah à la suite d'un rêve. Selon un récit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve qu'il entrait à la Mecque en paix avec ses compagnons et qu'il s'était rasé la tête et s'était coupé les cheveux, et qu'il entrait dans la maison d'Allah,
et que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, en prenait les clés et qu'il s'était arrêté avec ceux qui s'arrêtent sur le mont Arafat. Donc, il s'était arrêté à Arafat. Sur ce, le messager d'Allah, paix soit lui, a invité les Arabes et les nomades des alentours à l'accompagner pour ce voyage. Lors de ce voyage, les musulmans n'avaient pas d'autres armes que des épées qui étaient dans leur fourreau. À cette époque, chaque personne gardait une épée avec elle lorsqu'elle quittait sa maison. On ne doit pas en déduire que quiconque sort avec une épée a l'intention de se battre. Omar a demandé au saint prophète Mohammed, paix soit lui, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si vous aviez peur d'Abu Sufyan et de ses compagnons pour les musulmans, pourquoi n'avez-vous pas pris de l'équipement pour la guerre? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu que puisque je pars avec l'intention d'accomplir l'Umrah, je ne souhaite pas prendre des armes avec moi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb mentionne ce rêve dans son ouvrage Sidratat Munabiyin. Et il décrit ainsi cet incident. Il déclare, après qu'il ait vu ce rêve, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité ses compagnons à se préparer pour accomplir l'Umrah. L'Umrah est une sorte de hajj mineur dans lequel certains rites du hajj étaient omis et où l'on se contentait uniquement de faire le tawaf de la Kaaba et d'offrir un sacrifice. On omet certains rites du hajj et on se contente de faire la tawaf de la Kaaba et d'offrir un sacrifice. Et contrairement au hajj, il n'y avait pas de période spécifique de l'année pour accomplir l'Umrah. Cet acte de dévotion pouvait être accompli en toute saison. À cette occasion, le saint prophète Mohammed paix soit lui a également annoncé aux compagnons que puisque ce voyage ne visait aucun affrontement militaire, mais uniquement l'accomplissement d'un acte d'adoration religieux pacifique, les musulmans ne devaient pas emporter d'armes lors de ce voyage, mais pouvaient tout simplement porter leurs épées dans leurs fourreaux, selon la coutume arabe, comme le faisaient les voyageurs à l'époque. Il existe des divergences quant au nombre de musulmans ayant participé à l'expédition de Hudaybiya. Selon une source, ils étaient un peu plus d'un millier. Selon une autre source, ils étaient 1300. Selon une autre source, ils étaient 1400. En bref, il existe des récits faisant état d'un nombre allant jusqu'à 1700, c'est-à-dire entre 1000 et 1700 selon les différentes traditions. Lorsque le moment du départ est arrivé, les animaux destinés au sacrifice ont été confiés à Nadia bin Jundub Aslami, qui les a emmenés à Dhul-Hulaifa. Dhul-Hulaifa est également un endroit situé à 6 ou 7 milles de Médine. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entreprenait un voyage, il désignait toujours un remplaçant ou un émir. Selon Ibn Sa'd, avant d'entreprendre ce voyage, il a désigné Abdullah bin Umm Maktoum comme son remplaçant à Médine. Selon Ibn Hisham, il a désigné Numaïla bin Abdullah comme son remplaçant. Et Baladuri mentionne le nom d'Abu Ruham Kulthum bin Hussein. Et selon certains, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait nommé Umm Maktoum comme l'imam de la Surah, et les autres ont été nommés comme ses suppléants à Médine. En somme, il existe plusieurs récits à propos de ce fait. Voici la description détaillée des préparatifs et du départ du saint prophète Mohammed paix soit lui et de ses compagnons pour le voyage. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré chez lui après avoir fait cette annonce. Ensuite, il a pris un bain rituel
et il a revêtu de vêtements de Souhar. Souhar est une localité au Yémen connue pour la qualité de ses tissus. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui et il est monté sur sa chamelle Kaswa qui se trouvait tout près de sa porte. Son épouse Beni Umme Salama l'accompagnait dans ce voyage. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti le lundi au début du mois Dhulqa'da. À son arrivée à Dhul-Hulaifa, il a accompli la prière de Dhuhr et il a demandé qu'on lui présente les animaux sacrificiels qui étaient au nombre de 70. Il les a ornés de guirlandes. Ensuite, il a marqué quelques chameaux, c'est-à-dire qu'il a marqué leur bosse pour préciser que ce sont des chameaux destinés au sacrifice. Ensuite, il a ordonné à Nadia bin Jundub de leur mettre des marques et de leur mettre des guirlandes. Les musulmans ont également placé des guirlandes sur leurs montures et les ont marquées. Les musulmans disposaient de 200 chevaux lors de ce voyage. Voici ce qui est rapporté à propos de l'ihram, de l'état de sacralisation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a accompli deux rakats de prière et il est monté en selle à la porte de la mosquée de Dhul-Hulaifa. Il a enfilé l'ihram destiné pour l'Umra afin que les gens sachent qu'il était parti pour rendre visite à la mosquée sacrée et pour l'honorer. Ensuite, il a récité la talbiya, la baika Allahumma la baika la sharika laka, la baika innal hamda wal ni'mata laka. Je réponds présent, ô Allah, je réponds présent, je réponds présent, tu n'as point d'associé. Je réponds présent, à toi, toute la louange et la grâce et la souveraineté t'appartient, tu n'as point d'associé. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya un éclaireur, Basir bin Sufyan, afin de se renseigner sur la situation des Quraishites et de savoir s'ils n'avaient pas de mauvaises intentions. Et en guise de précaution, il envoya également Abbad bin Bishr et selon une autre version, Sa'ad bin Zayd al-Ashali à la tête de 20 cavaliers. Le saint prophète Mohammed lui a campé en divers endroits. Ayant atteint Rawha, situé à 73 km de Médine, il apprit que des mécréants se trouvaient à Wadi Raika, sur la côte de la mer Rouge, et qu'il représentait une menace pour les musulmans, car il risquait de lancer une attaque soudaine contre les musulmans. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé vers eux Abu Qatada al-Ansari, qui n'avait pas revêtu l'ihram de l'Umra. Il l'a envoyé avec un groupe de compagnons. Certains miracles ont aussi été mentionnés à propos de ce voyage. Durant ce périple, à un endroit, les gens s'étaient rassemblés autour du saint prophète Mohammed lui, tandis qu'il avait devant lui un récipient d'eau dans lequel il faisait ses ablutions. Il a demandé quelle est la raison de ce rassemblement. Les compagnons ont répondu « Au messager d'Allah, nous n'avons plus d'eau, ni pour boire, ni pour les ablutions, hormis celles qui se trouvent dans ce récipient. » En entendant cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plongé sa main dans ce récipient. À ce moment-là, de l'eau a commencé à sortir d'entre ses doigts comme des sources jaillissantes. Jabir relate, nous avons tous bu de l'eau et nous avons fait nos ablutions. Même si nous étions 100 000, cette eau nous aurait suffi, alors que nous n'étions que 1500. Hazrat Misa Bashir Ahmad Saib a rapporté cet événement à la lumière des récits historiques de la manière suivante. Pendant ce voyage, à un moment,
Tous les récipients étaient vides à l'exception d'une gourde utilisée par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion, lorsque les compagnons se sont plaints du manque d'eau, le saint prophète, paix soit sur lui, a placé sa main bénie sur l'ouverture de sa gourde et tout en inclinant l'ouverture vers les compagnons, il a dit « Apportez vos récipients et remplissez-les ». Le narrateur raconte qu'à ce moment-là, l'eau jaillissait entre de ses doigts comme une source qui coule. Et tous les compagnons ont pris de l'eau selon leurs besoins, et les souffrances des musulmans ont pris fin. Le Messie premier Islam a mentionné ceci à ce propos, et il déclare : Parfois, des actes émanent d'un homme au rang délicat, des actes qui semblent dépasser les capacités humaines et qui portent les traits des capacités divines. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli de nombreux miracles uniquement par son propre pouvoir, sans l'aide d'une prière. À plusieurs reprises, il a multiplié une petite quantité d'eau contenue dans un simple bol en y plongeant simplement ses doigts. Ainsi, toute l'armée, les chameaux et les chevaux ont pu boire de cette eau. Et pourtant, la quantité d'eau est restée la même. À plusieurs reprises, en posant ses mains sur deux ou quatre pains, il a rassasié des milliers de personnes affamées et assoiffées. Parfois, il bénissait une petite quantité de lait de ses lèvres et cela suffisait à nourrir une foule entière. Et à d'autres moments, il transformait de l'eau salée et amère en eau douce en y versant simplement sa salive. Il guérissait des blessés graves en posant tout simplement sa main sur leurs blessures. Il a même remis en place les yeux de ceux qui les avaient perdus lors d'un combat, simplement en les touchant avec sa main bénite. Il a accompli de nombreuses autres actions similaires, démontrant un pouvoir personnel mêlé à une puissance divine cachée. Le Messie premier Islam a expliqué ceci dans le contexte des miracles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On trouve également mention du récit des préparatifs de l'armée Quraychite suite à l'annonce du voyage du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et le fait que le saint prophète a consulté ses compagnons à ce propos. Les Quraychites, ayant appris que les musulmans ne venaient pas pour la guerre mais pour accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, ont décidé de les empêcher d'entrer à la Mecque. Et tous ceux qui pouvaient manier l'épée sont sortis pour les arrêter. Ils ont pris ces dispositions en dépit du fait qu'ils connaissaient les intentions des musulmans. Ils ont rassemblé leurs alliés constituant une armée de 8000 hommes qui ont campé dans la vallée de Balda à l'ouest de la Mecque et ils ont envoyé Khalid bin Walid avec 200 cavaliers pour barrer la route du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans la vallée Qura al-Ramim à 8000 d'Usfan. Selon un récit rapporté par Miswar bin Makhrama et Marwan bin al-Hakam, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est approché d'Usfan et il est arrivé à l'étang d'Ushtat. Son éclaireur est venu à sa rencontre et lui a dit ceci. Les Quraychites ont rassemblé une grande armée et ils ont réuni des tribus dispersées et ils ont l'intention de vous combattre. Et ils veulent vous empêcher d'entrer dans la Baitullah. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit aux gens, conseignez-moi, pensez-vous que je souhaite attaquer les familles, les femmes et les enfants de ceux qui veulent nous empêcher de visiter la Baitullah et de les vaincre s'ils viennent vers nous? Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré, au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous étiez sortis pour visiter la maison d'Allah et non pour tuer ou combattre quiconque. Partons donc vers cette maison qui nous a empêchés de visiter. Nous combattrons celui qui nous empêche de visiter cette maison. C'est-à-dire que nous devons continuer notre travail et poursuivre le voyage. Usayd bin Hudayr a approuvé les paroles d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Après Abu Bakr radhiyallahu anhu, Miqdad a déclaré, « Je jure par Allah, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne vous dirons pas ce que les enfants d'Israël ont dit à leur prophète Moïse, c'est-à-dire toi et ton Seigneur, allez vous battre, nous resterons assis ici. Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, allez-y, vous et votre Seigneur, livrez bataille,
et nous nous battrons avec vous. Hadrat Muslim Aoud Aradotalanhu a rapporté cet incident à sa manière en disant: les habitants de la Mecque ont été informés, ils sont venus avec une armée et ils ont demandé aux musulmans: qui vous a autorisé à venir ici? Les musulmans ont répondu: nous ne sommes pas venus nous battre, nous sommes tout simplement venus accomplir l'Umra. Cet endroit est un lieu béni pour vous et pour nous. Nous sommes venus en pèlerinage et pas pour nous battre. Les Mécois ont déclaré: il n'est pas question de faire la tawaf. Les mécréants ont refusé de leur donner d'accès. Ils ont déclaré que nous sommes en guerre et si vous entrez à la Mecque et accomplissez la tawaf, nous serons la risée de toute l'Arabie. Ils diront que vos ennemis sont venus accomplir la tawaf parmi nous. Nous pouvons autoriser toute l'Arabie, mais pas vous. Comme expliqué plus haut, Khalid bin Walid était sorti avec 200 cavaliers pour stopper la caravane du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'information est parvenue au Saint-Prophète Mohammed lui, il a dévié du chemin de Khalid bin Walid et il est arrivé à Hudaybiyah par une autre route. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à ce propos. Il déclare: après quelques jours de voyage, le Saint-Prophète Mohammed lui est arrivé dans les alentours de Sfan, qui se trouve environ 2 étapes de la Mecque. C'est là que son informateur est revenu. Il a informé que les Quraychites de la Mecque étaient enflammés et qu'ils étaient déterminés à l'arrêter. Tant et si bien que certains d'entre eux portaient des peaux de guépard pour exprimer leur ardeur et leur férocité. Et qu'ils étaient déterminés à empêcher les musulmans d'avancer par tous les moyens. On a également appris que les Quraychites avaient envoyé un groupe de leurs meilleurs cavaliers dirigé par Khalid bin al-Walid, qui n'était pas encore musulman à l'époque, et que ce groupe était désormais proche des musulmans et que Ikrama bin Abi Jahl faisait partie de ce groupe, entre autres. Lorsque le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a entendu cette nouvelle, il a ordonné aux compagnons, afin d'éviter tout affrontement, de quitter la route principale de la Mecque et de se diriger vers la droite. Ainsi, les musulmans ont emprunté un chemin difficile et ardu, passant par la mer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne souhaitait pas livrer bataille, car il n'était pas venu pour se battre, mais il était venu pour accomplir l'Umra. Il est donc parti de là. Khalid bin al-Walid n'a pas su à propos de ce détour entrepris par le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a vu la poussière soulevée par l'arme islamique, il s'est précipité pour en informer les Quraychites. Voici les faits rapportés à propos de l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Hudaybiyah. Miswar bin al-Makhrama et Marwan relatent que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Hudaybiyah. Et une fois dans le ravin où s'arrêtaient les Quraychites, eh bien, sa chamelle s'est assise là. Les gens l'ont ailée pour qu'elle se soulève, mais elle est restée en place. Les gens ont dit: Kaswa ne veut plus bouger. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Kaswa ne s'est pas arrêté, ce n'est pas son habitude. Celui qui retient les éléphants, à savoir Allah, l'a retenu. Ensuite, il a déclaré: au nom de celui qui détient mon âme, j'accéderai aux demandes des Quraychites tant qu'il s'agit de respecter les choses sacrées d'Allah. Ensuite, il a tensé la chamelle et elle s'est levée. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a déclaré que nous remplirons toutes les demandes des Quraychites à condition qu'elles ne violent pas les interdits d'Allah. En tout cas, il a de nouveau tensé la chamelle, elle s'est levée. Il s'est éloigné des Mécois jusqu'à ce qu'il arrive à l'extrémité du territoire de Hudaybiyah où il a campé tout près d'un étang contenant une petite quantité d'eau. Ceci a été rapporté par Al-Bukhari. Le musulman Aoud radhiyallahu anhu déclare: sa chamelle s'est arrêtée là et a refusé d'avancer. Les compagnons ont déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: votre chamelle est fatiguée, montez sur une autre chamelle. Mais le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a déclaré: non, pas du tout, elle n'est pas fatiguée,
Mais apparemment, telle est la volonté d'Allah, il souhaite que nous restions ici. Et je resterai ici et je demanderai à tout prix aux Mekwas de nous autoriser d'accomplir le pèlerinage. Et j'accepterai toutes les conditions qu'ils poseront. L'armée de la Mecque se tenait à une bonne distance de la Mecque et attendait les musulmans. Et si le saint prophète, paix soit lui, l'avait voulu, il aurait pu entrer dans la Mecque sans combat. Mais comme il avait décidé qu'il tenterait d'abord de faire l'atawaf avec la permission des Mekwas et qu'il n'engagerait pas le combat et qu'il allait se battre si les Mekwas commençaient eux-mêmes à se battre et si les Mekwas les obligeaient à se défendre, eh bien, en dépit de cela, il a établi son campement à Hudaybiya malgré le fait que la route de la Mecque était ouverte. Al-Bukhari rapporte que les musulmans se sont arrêtés à Hudaybiya, qui était un étang contenant un peu d'eau. Et les musulmans ont commencé à en prélever. Peu de temps après, ils ont épuisé l'eau et ils se sont plaints de la soif au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Najia bin al-Arjam rapporte que lorsque la pénurie d'eau est devenue grave à Hudaybiya, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui l'a appelé, c'est-à-dire il l'a appelé Najia, et il a retiré une flèche de son carquois et il lui a tendu cette flèche. Ensuite, il a demandé qu'on lui apporte un seau d'eau. Najia rapporte, je lui ai apporté cette eau, il a fait ses ablutions, il s'est rincé la bouche et a versé l'eau dans le seau. Ensuite, il m'a dit, verse l'eau de ce seau dans la source dont l'eau s'est asséchée et plante cette flèche dans son eau. J'ai suivi ses instructions par celui qui a envoyé le saint prophète paix soit sur lui avec la vérité. Je suis sorti avec beaucoup de difficultés de cet étang car l'eau m'entourait de toutes parts. Après avoir jeté l'eau et planté la flèche, l'eau a soudainement commencé à monter et à bouillir comme une marmite. Et elle a continué à monter jusqu'à atteindre les bords. Les gens ont commencé à puiser de l'eau jusqu'à ce que la dernière personne ait étanché sa soif. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb a mentionné une pluie en puisant dans les récits des livres d'histoire. Il a déclaré, la même nuit ou presque, il y a eu de la pluie. Le matin, le saint prophète, paix soit sur lui, est venu pour la prière de l'aube et le terrain était trempé. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit à ses compagnons en souriant, savez-vous ce que votre Seigneur a dit lors de cette pluie? Les compagnons ont répondu comme d'habitude. Dieu et son envoyé en savent plus. Il a déclaré, Dieu le Tout-Puissant a déclaré, « Certains de mes serviteurs ont accueilli ce matin avec une foi sincère, tandis que d'autres ont été ébranlés et sont tombés dans le kufr. Car celui qui a dit « Nous avons reçu de la pluie par la grâce de Dieu et sa miséricorde » est resté ferme dans la vraie foi, mais celui qui a dit « Cette pluie est tombée sous l'influence d'une telle ou telle étoile » est devenu croyant au soleil et à la lune, mais il a renié Dieu. » Par sa déclaration qui regorge de la richesse de l'unicité, le messager d'Allah, paix soit lui, a enseigné aux compagnons que Dieu certain a fixé différentes causes pour faire fonctionner cette entreprise mondiale selon la chaîne des causes et des effets. Et qu'il ne faut pas nier l'influence des corps célestes dans les pluies, mais la vraie foi consiste en ce que, malgré les causes intermédiaires, l'homme ne détourne pas son regard de l'être ultime. C'est-à-dire qu'il faut toujours se tourner vers Dieu le Tout-Puissant. Dieu a mis en place les causes, mais c'est avec la permission de Dieu que ces causes agissent. C'est lui qui a créé toutes les causes, et c'est lui qui est la cause ultime de cet univers. Sans lui, ces causes apparentes n'ont pas plus d'importance qu'un insecte mort. On trouve également mention du cadeau d'Amr bin Salim et de Busur bin Sufyan au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il est dit qu'Amr bin Salim et Busur bin Sufyan, qui appartenaient à la tribu Rouza, ont offert des chèvres et des chamelles au saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Hudaybiya.
Amr bin Salim a également offert un chameau à Saad bin Ubada. Saad bin Ubada était son ami intime. Saad bin Ubada s'est présenté au Saint-Prophète, paix soit sur lui, en portant ce présent, et il a annoncé « Amr m'a fait don de ce chameau ». Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Amr nous a également fait don d'un présent. Que Dieu bénisse la fortune d'Amr ». Ensuite, il a donné l'ordre de sacrifier les chameaux et de partager leur viande parmi les compagnons, ainsi que les chèvres. Et il a décidé d'inclure sa propre part dans cette distribution. Ensuite, de la viande a été envoyée à Umm Salama, comme elle a été envoyée à d'autres. Et le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a offert à Umm Salama une partie de la viande de sa chèvre. Et il a ordonné qu'on offre à l'homme qui avait apporté ce cadeau un vêtement en guise de récompense. Il a rassemblé tous les cadeaux qu'il avait reçus et il les a distribués à tous ses compagnons. Ces récits ne sont pas terminés. Les détails supplémentaires sur Hudaybiya et sur ce qui s'est passé et comment cela s'est passé seront présentés dans un prochain sermon, Inch'Allah. À présent, j'évoquerai certains défunts et je dirigerai leurs prières funéraires. Le premier défunt est notre cher Shahriyar Rakin, fils d'Abdullah Muhammad Abdullah Wahab, originaire du Bangladesh. Selon les rapports à propos de cet incident, le Bangladesh a connu de nombreux troubles ces derniers jours suite à la destitution du gouvernement le 5 août. L'instabilité s'est répandue dans le pays après la destitution du gouvernement et les opposants à l'Ahmadiyya ont profité de cette situation pour attaquer la communauté d'Ahmadnagar. Il y a eu des attaques dans le passé, dans la région. Les opposants aux Ahmadis ont incendié les maisons des Ahmadis et ils ont mis le feu à la mosquée avant de se diriger vers la Jamia et la Jalsaga. Bien qu'ils n'aient pas réussi à pénétrer dans la Jamia, ils ont encerclé les Khudam qui étaient en faction pour protéger la Jalsaga et ils les ont attaqués par derrière. C'est alors que notre cher Shahriyar a reçu une blessure grave à la tête. Après 3 mois de traitement, il est finalement décédé le 8 novembre dernier, à l'âge de 16 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ainsi, il a mérité le statut de martyr. Shahriyar était un membre du Wokfenau. Parmi les proches du défunt se trouvent ses parents, ses grands-parents, une sœur et 2 frères. L'Ahmadiyya a été introduit au sein de la famille du défunt par l'intermédiaire de son arrière-grand-père, Munshi Sirajul Islam Saheb, qui avait prêté le serment d'allégeance et avait rejoint l'Ahmadiyya avec la plupart des membres de sa famille par l'intermédiaire d'Allama Zinul Rahman Saheb. Le défunt faisait également partie de ceux qui œuvraient pour la Jamaat. Il a servi en tant que secrétaire financier au sein du comité exécutif de l'Atfalul Ahmadiyya d'Ahmadnagar. Sa mère écrit que dès le début, ce fils était très attaché à la prière et à l'adoration de Dieu et il était très intéressé par le travail de la Jamaat. Il se fâchait si on lui demandait de se consacrer à ses études et de participer aux travaux de la Jamaat plus tard. Lorsqu'il avait une assemblée ou une réunion à Ahmadnagar, il était le premier à sortir de chez lui pour partir là-bas. Étant le plus jeune de la famille, sa famille dit qu'il l'aidait beaucoup aussi. Il était très serviable dans les tâches de cuisine et dans le nettoyage. Ce garçon était très sociable et il sympathisait très vite avec les inconnus. Sa mère a dit qu'il se préparait à intégrer à la Jamia, tout comme son frère aîné. Elle a également écrit qu'elle avait eu des rêves par le passé qu'il avait prévenu à l'avance du martyre de son fils Shahriyar. Nizamul Thaqib, le Qaïd des Khudamul Ahmadiyya à Ahmadnagar, a déclaré qu'en mars 2023, lors de la Jalsa Salana, l'ingénieur Zahid Hassan avait été tué, il était tombé en martyr. Et j'avais dirigé sa prière funéraire en absence de sa dépouille ici au Royaume-Uni, et je lui avais rendu hommage dans mon sermon. Le Qaïd a déclaré « Nous étions tous de service en train de prendre notre petit déjeuner et d'écouter le sermon du calife. » À ce moment-là, Shahriyar Rakin a déclaré que
si j'étais tué aujourd'hui, on parlerait aussi de moi. Le Qaïd a déclaré que lorsque les assaillants ont lancé leur attaque surprise le 5 août dernièrement, de nombreuses personnes étaient présentes pour protéger la Jamia. Seuls 15 khuddam étaient en service pour protéger la Jalsaga des deux côtés de la route. Et Shahriyar s'est joint à eux. Il a courageusement assuré la protection et il a aidé le Qaïd lors de ses mesures de protection. Soudain, les assaillants ont forcé la porte et ont commencé à tout détruire. Avec des bâtons, ils ont battu et blessé de nombreuses personnes. Le défunt était celui qui avait reçu le plus grand nombre de blessures. Il avait reçu de nombreuses blessures, surtout à la tête, et la partie inférieure de son corps était complètement paralysée, ce qu'il avait mentionné sur place. Peu après, l'armée est arrivée et les assaillants ont abandonné leur victime Ahmadi pour s'échapper. Le Qaïd a déclaré que le défunt était toujours prêt à faire son devoir et à servir. Le défunt assurait aussi à la propreté de la mosquée et il faisait des travaux pour la mosquée et il faisait également participer les autres. Il s'acquittait également du devoir de réveiller les gens pour les prières de l'aube et à la prière de Tahajjud. Zahir Saheb, un étudiant de la Jamia Ahmadiyya du Bangladesh, a déclaré « Le jour de son enterrement, j'étais de service au siège. J'ai demandé à un khuddam d'Ahmadnagar qui l'accompagnait souvent et qui jouait souvent avec le défunt. Quel était le trait qui le distinguait des autres ? Ce jeune a répondu en citant les mêmes faits, notamment qu'à l'occasion de la Jalsa Salana de 2023, une exposition sur le martyr Zahid Hassan a été organisée et nous étions en train de regarder cette exposition. Tout à coup, Rakin, le défunt, a déclaré « Je souhaite mourir comme mon frère Zahid et mon portrait serait également ici et mon nom serait évoqué dans le sermon du calife. » Ce jeune a déclaré que « Nous étions tous surpris d'entendre cela de la bouche du défunt. Allah a exaucé son souhait. » Sa tante Zinat Fawzia a déclaré que le défunt était le plus jeune de ses frères et qu'il écoutait tout le monde et qu'il aidait tout un chacun. Le jour de l'attaque, lorsqu'il quittait sa maison, il disait qu'il devait protéger la mosquée et que s'il n'y parvenait pas, il va tomber en martyr. Quoi qu'il en soit, ce martyr a montré l'exemple du sacrifice au plus grand. Qu'Allah le Tout-Puissant élève son rang et qu'Allah accorde patience et courage à ses parents et à ses proches. Le deuxième défunt que j'évoquerai et dont je dirigerai la prière funéraire est un ancien membre de la Jamaat d'origine arabe. Son nom était Abdullah Asad Odeseb de Kababir, qui est décédé récemment à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt a été élevé dans une famille qui avait beaucoup d'amour et de sincérité pour les missionnaires Ahmadi à Kababir. Grâce aux efforts dévoués des missionnaires et à leurs prières, et surtout aux prières de Hadrat Muslim Aoud, radiyallahu anhu, Kababir a toujours bénéficié de la protection et de la paix d'Allah. En particulier pendant la guerre de Palestine et le déplacement massif de la population en 1948, Allah a protégé les Ahmadis de Kababir. Depuis l'époque de feu Hadrat Muslim Aoud radiyallahu anhu et jusqu'à la fin de sa vie, le défunt a entretenu une profonde relation d'obéissance et de sincérité avec les califes de la Jamaat par le biais de ses lettres. Il faisait partie des premiers moussis de Kababir. En 1934, Maulana Abdul Atta Saheb Jalandari a ouvert une école Ahmadi où le défunt a fait ses études primaires. En 1948, il est entré dans une école anglaise où il a également obtenu son diplôme de fin d'études. Ensuite, il a complété avec succès un master de l'université Al-Quds. Il a travaillé pendant 20 ans au ministère de l'Industrie et du Commerce. Ensuite, il a travaillé dans un poste de haut rang à la Cour des comptes. Il a pris sa retraite en 1995. Après sa retraite, il a été nommé président des affaires islamiques au ministère des affaires religieuses.
Certains pays islamiques se sont opposés à sa nomination en raison de son appartenance au mouvement Ahmadi. Et il a démissionné dans le respect de ses principes et de son appartenance à l'Ahmadiyya. En 1945, Chaudhry Zafrullah Khan Sahib a visité la Palestine en tant que représentant des Nations Unies. Il s'est également rendu à la mission et il a résidé dans la maison de feu Abu Salah Mohamed Salah Odeh, le grand-père de Sharif Odeh. À cette époque, feu Abdullah Asad Sahib avait 15 ans. Il se rendait quotidiennement chez Chaudhry Sahib pour le servir et pour lui fournir des journaux. Le défunt était toujours très proche des missionnaires. Il a eu la chance de servir la communauté en tant que secrétaire général, en tant que secrétaire à l'éducation et à la formation, en tant que secrétaire aux affaires externes, en tant que sadar de l'Ansarullah et en tant que secrétaire du jubilé du centenaire. Il a assisté le missionnaire Jalaluddin Qamar Sahib dans le grand projet de la reconstruction de l'école Ahmadi à Kababir. Le défunt était un auteur de haut niveau. Il a écrit des dizaines d'articles pendant 70 ans dans la revue arabe Al-Bushra. Il a également traduit en arabe l'exégèse de la sourate Al-Kahf publiée par la communauté en anglais, sous l'ère du missionnaire en chef Mokaram Fazli Ilahi Bashir Sahib. Dans les pays arabes, on faisait la propagande contre la communauté ahmadiyya prétendant que les Ahmadis et les Bahaïs étaient deux faces d'une même médaille, notamment que la communauté est associée aux Bahaïs. En réponse cinglante, Abdullah Assad a écrit une réplique en arabe intitulée « Al-Mu'amaratul Kubra ». De même, il a écrit un livre sur l'histoire de la communauté ahmadiyya à Kababir intitulé « Al-Kababir Baladi ». Le défunt était un Ahmadi profondément dévoué et fier de tout ce qui concernait la communauté. On lui a proposé de devenir membre du Parlement, mais il a refusé en disant « La politique a ses propres principes, tandis que mes principes sont ceux de l'Ahmadiyya ». Son fils Khalid Abdullah raconte que parfois, lorsque son père était occupé par les tâches de la communauté et que sa mère lui demandait de prendre le thé avec elle ou de sortir, il répondait « J'ai des tâches communautaires importantes à accomplir. Je ne pourrai pas me rendre disponible avant les avoir terminées. » Sa priorité était toujours le travail de la Jamaat. Les membres de sa famille comprennent 3 fils, 3 filles et 14 petits-enfants. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde au défunt sa miséricorde et son pardon, qu'Allah élève son rang et qu'il permette à sa descendance de suivre ses pas. Comme annoncé après la prière de Juma, j'accomplirai les prières funéraires des défunts en absence de leur dépouille. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ